Chapo Beats, the hottest music producer. Scénario de fin de master que j'avais écrit du coup pour mon mémoire et on m'avait donné plutôt des bons avis dessus. Du coup j'ai décidé de retravailler dessus, ce qui m'a amené à Génération Court. Et la base du sujet de mon film, c'était de rendre hommage à ma nounou que j'avais quand j'étais petit. On avait une relation très fusionnelle tous les deux, et quand elle est partie, ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. Du coup, voilà, ça vient de l'idée principale du film vient de là. Au niveau de l'écriture du scénario, il n'y a pas eu trop de difficultés. J'ai eu un super intervenant qui s'appelle Benoît, qui m'a beaucoup aidé. Les difficultés, c'était plutôt après pour la phase de pré-production, parce que le budget, tout ça, les lieux, c'était compliqué à trouver, les castings, c'est pas quelque chose que j'adore faire, mais voilà. Donc c'était au niveau du scénario, j'ai eu aucun problème, au niveau du tournage, aucun problème, c'est juste entre les deux que ça a été un peu compliqué. Le public est attribué à Roue Libre. Bah, tout. Comme tu le sais, bon, voilà, je suis pas dans la réalisation chroniquée avant ça. Donc ça m'a permis de tout apprendre. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, j'ai fait de mon mieux et puis voilà, j'ai vraiment tout appris. Vraiment. Bah franchement, de la satisfaction. Surtout qu'on a abordé, c'était un sujet pas. Enfin, on va dire niveau opinion publique, le handicap, il y a des fois où ça passe pas très bien, où on a beaucoup de préjugés. Et avoir le prix du public avec un sujet comme ça, bah franchement c'est hyper encourageant, c'est plus que satisfaisant vraiment. Je mangeais même pas pendant les 3 jours, je buvais que des cafés. Et c'est pas un soulagement, pas vraiment. Mais comment dirais-je? Une vraie satisfaction. J'ai pris du plaisir en le faisant. Et quand c'est terminé, bah je me suis senti satisfait en fait. Voilà, tout à fait. C'est assez compliqué comme sensation. Surtout la première fois, c'est un peu indescriptible, moi je dirais. Carmen de Théo. La fin. Parce que ça a été quand même très dur. Moi, à la base, j'ai fait une formation scénariste et du coup, j'étais un peu toujours. Quand il y avait des réals, je me suis dit, on en fait des tonnes sur les réals. C'est très surcoté, on va dire, on en parle beaucoup, voilà. Mais en fait, c'est super compliqué, quoi. Il faut avoir le nez partout, il faut tout gérer, il faut avoir un avis sur tout. Et je trouve ça super compliqué. Et ben, j'avais pas spécialement l'envie de réaliser. Et donc, j'ai envoyé un synopsis en pensant que ce serait tourné, donc que ce serait chouette. Et en fait, il fallait soi-même le réaliser, ce que j'avais pas forcément compris. Et du coup, j'avais aucune ambition d'être réalisateur, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, j'ai découvert que c'était pas pour moi, quoi. Mais c'était une bonne expérience. Le prix du jury avec Gavomi à Arrête de faire la gueule, les gens.
Alors, mon court-métrage, c'est en partie autobiographique, en fait. Il faut savoir que cette histoire de Isa qui perd ses dents, c'est une maladie qui existe réellement. Et je voulais parler de ça parce que en fait, le sourire, quand on est adolescent, c'est quelque chose de très important, c'est un critère de beauté. Et c'était de montrer, enfin, on n'arrête pas de dire souris pour être belle. Mais dans le cas de Isa, quand on a un sourire imparfait, on se moque du sourire. Donc, comment s'accepter et sourire quand on se moque d'un sourire, alors que finalement, si on s'affranchit des codes de beauté traditionnels, on peut très bien être heureux. Et c'est ça que je voulais dire dans ce film. Alors le projet Génération Court, moi en fait j'ai fait l'école de la Cité du Cinéma, l'école fondée par Luc Besson il y a 2 ans de ça. J'ai fait 2 ans de scénario là-bas et en fait là ce que j'ai aimé chez Génération Court, c'est que j'ai retrouvé ce cadre que j'avais à l'école, donc d'avoir des... Voilà, il y avait une script doctor pour le scénario, on a eu des stages, donc c'était cet accompagnement dont j'avais besoin et surtout d'avoir des deadlines, parce que je pense qu'on arrive mieux à produire avec de la contrainte, en s'obligeant en fait, en se forçant un peu. C'est déjà en soi, même si j'avais pas gagné de prix, j'aurais été déjà très flattée de voir mon film avec toute l'équipe qui était là ce soir, de voir sur grand écran avec les réactions du public qui n'étaient pas du film. Ça fait toujours plaisir d'avoir les basses, la musique, l'étalonnage, donc c'est assez émouvant. Et ouais, de rendre aussi, c'est une manière de dire merci à l'équipe qui a tout fait bénévolement et de voir dans un beau cinéma, c'était déjà très plaisant. Mon conseil, ça serait pour des jeunes réalisateurs, faites un film si vous avez envie de raconter quelque chose. Ne faites pas des films pour faire des films, ça, je suis pas très partisane de ça. Il faut avoir vraiment quelque chose à raconter qui nous tient à cœur, parce que sinon le film ne sera pas fait à fond. Voilà, moi c'est une histoire personnelle, donc je me suis donné corps et âme. Donc voilà, faites quelque chose qui vous plaît et ne vous fiez pas au on dit et allez jusqu'au bout des choses et kiffez. Ah oh, bah alors là, je sais que j'avais regardé l'année dernière les gagnants. Il y a vraiment un très très beau palmarès, donc je me dis c'est très flatteur de compter parmi ces beaux films que je vais voir. Moi je suis toujours une partisane de façon de voir des beaux films, donc peu importe, j'ai gagné 2 prix ce soir, ça me va. Donc si j'en gagne pas, c'est vraiment pas grave, c'est à nouveau il y aura mon équipe à côté de moi et j'ai hâte de voir des jolis films avec des histoires, des belles histoires.